Chers amis, bonjour. C'est de manière très particulière que nous terminons cette neuvaine avant la Pentecôte qui nous a permis de nous disposer, de réfléchir à ce que produit l'Esprit en nous et comment nous disposer à le recevoir. Et nous le terminons avec la messe chrismale ce soir pour notre diocèse. L'occasion est donc donnée de pouvoir réfléchir sur la signification profonde de cette messe et du Saint-Crème qui nous investit chacun de nous, puisque nous avons été marqués par le baptême, par la confirmation, par ce Saint-Crème. Ce Saint-Crème qui est une huile qui est présentée au cours de la messe chrismale à l'évêque par le peuple de Dieu qui fait prier pour tous ceux qui seront marqués de cette huile, et qui demande à ce que cette huile soit consacrée par l'Esprit Saint, pour devenir un moyen de ce même Esprit Saint, pour toucher le cœur de ceux qui seront marqués sur leur front. C'est ainsi que tous les prêtres sont présents, et ils consacrent avec l'évêque cette huile. Mais auparavant, les prêtres renouvellent aussi leur promesse sacerdotale au service de tous ceux qui seront marqués par cette huile, au service des baptisés, leur vie donnée, offerte pour les baptisés et ceux à qui ils annoncent l'Évangile au monde entier. Et c'est cela peut-être que nous pouvons accueillir en ce dernier jour de récollection, de nous rappeler que le culte, le vrai culte chrétien, est pas simplement la célébration, mais c'est toute notre vie offerte à Dieu. Saint Paul disait ceci dans la lettre aux Romains au chapitre 12, « Je vous exhorte, mes frères, à vous offrir en sacrifice spirituel agréable à Dieu. » S'offrir en sacrifice spirituel peut sembler bien sombre. En fait, c'est tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. En nous laissant conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit nous conduit à ressembler à Jésus, à nous offrir comme Jésus. Nous savons combien il y a des combats en chacun de nous pour que cela puisse prendre vraiment forme, mais cela va se faire. C'est le lieu même de notre sainteté. Et déjà, ce travail de l'Esprit Saint en nous, qui avons été marqués du Saint-Crème, qui avons été baptisés, eh bien, ce travail produit des fruits et des fruits de libération. Au cours de la messe chrismale, l'évangile qui est lu est dans le passage dans lequel nous voyons Jésus lire le livre d'Isaïe qui évoque l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit m'a consacré. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà ce qui est inscrit dans l'évangile que nous allons lire ce soir à la cathédrale. Puisse ces paroles, ces versets, vous être donné aujourd'hui, en ce dernier jour de récollection et de disposition à la Pentecôte, à recevoir l'Esprit Saint, puissent ces versets vous être donnés comme vraiment un lieu de méditation profonde sur ce que l'Esprit Saint fait avec vous et comment il nous établit ensemble son corps. Nous sommes le corps du Christ, appelés à poser les mêmes actes, les mêmes œuvres de libération que le Seigneur lui-même, puisqu'il en est la tête. Et c'est son esprit qui irrigue le corps tout entier. Alors frères et sœurs, c'est l'occasion pour moi en cette dernière vidéo, ces derniers enseignements, de vous remercier très profondément pour la communion spirituelle qui a été rendue possible, alors avec les efforts de chacun, mais aussi par la volonté de chacun de pouvoir nous retrouver, nous réunir, nous tenir en communion spirituelle. Puisse vraiment cette communion spirituelle nous relier dans notre annonce de l'Évangile, dans ce que l'Esprit Saint fera à travers nous, pour que l'Évangile ici, en Orfranche-Comté, puisse être entendu. Et je vous invite vraiment à vous unir de cœur et d'esprit ce soir à la messe chrismale à 18h à la cathédrale. C'est tout notre peuple, c'est tout le peuple de Dieu en Orfranche-Comté qui est convoqué pour recevoir de son Seigneur l'Esprit Saint qui le configure à lui pour le conduire, pour nous conduire tout entier au Père. Que notre prière ce soir soit profonde, sincère, que l'Esprit Saint nous soit donné. Frères et sœurs, chers amis, recevez l'Esprit Saint.